Alors, nous avons maintenant Joanne Marcotte, auteure pour en finir avec le gouvernement, entre autres, et blogueuse. Je voulais avoir Joanne pour parler de la taxe santé parce que le Parti québécois, ça a l'air d'avoir reculé sa taxe santé. Mais finalement, j'ai lu le blog d'aujourd'hui de Joanne. On laisse tomber la taxe santé. On va parler du système de santé avec Joanne parce que l'anecdote que vous racontez dans votre blog est assez rigolote. Joanne, bienvenue à l'émission. On dit les groupes de médecine familiale. C'est le miracle, c'est fantastique. Les gens n'ont plus besoin d'aller à l'urgence, n'ont plus besoin d'aller dans les cliniques sans rendez-vous. Ça va vous permettre de contacter assez rapidement un médecin. Vous avez essayé cette affaire-là. Parlez-moi de votre expérience. OK, bon. Bien, c'est ça. Ce matin, moi, j'étais sous l'impression que j'avais un médecin de famille que je pouvais appeler puis avoir un rendez-vous. Donc, la semaine dernière, j'appelle puis je leur demande, bon, est-ce que je peux avoir rendez-vous avec le docteur X? Alors, ils me disent, bien là, il faut que vous appeliez le 10 au matin à 8 h et puis pour la plage de rendez-vous du mois de décembre. Moi, c'est pas si pire. Tu sais, Le 10 au matin à 8 h, ça, c'est comme si on va avoir des billets pour le dernier show de Céline Dion. Il nous dit, les billets sont mis en vente à telle heure, tel jour. Exactement. Mettez-vous sur le téléphone, puis le premier qui appelle, c'est lui qui a le meilleur billet, c'est ça, là? Exactement. C'est une loterie. Une loterie pour avoir des rendez-vous. Alors, imagine qu'à 8h moins 1, moi, j'étais sur le téléphone portable, bien installé dans mon salon, puis là, regarde, c'est, je signale le numéro. Occupé, évidemment. Donc, je signale. Une chance, il y a un bouton « oui » dial sur mon... Donc, OK, on signale. Occupé, ferme, redial, signal, occupé, ferme, redial. Donc, j'ai fait ça un certain nombre de minutes. Au bout de 10 minutes, je me suis dit, ouais, la petite musique qu'on entend quand on signale des numéros, là, j'ai commencé à l'apprendre par cœur. Au bout de 20 minutes, je me suis dit, regarde, je vais me distraire. Au lieu de faire redial, je vais recomposer le numéro. Tu sais, on se distrait comme on peut. J'avais vraiment l'intention de tester ce système-là. Il n'était pas question qu'il y ait quelqu'un qui appelle pendant que moi, je prenais un break de tu comprends? Donc, au bout de 20 minutes, je me distrait comme ça. Au bout de 30 minutes, je me suis mise à dire, écoute, c'est impossible qu'il y ait d'autres appels qui passent sans... puis que moi, là, je ne sois pas retenue. Je me suis mise à penser aux personnes âgées qui sont pas fous. Je veux dire, qui est assez fou comme moi, puis têtu comme moi pour tester le système après le matin? Après 3-4 fois, le citoyen ordinaire a dit, coudon, je raccroche, puis ça marche pas, ou je sais pas. Non, tu sais, il passe pas son temps. Tu te mets à faire des statistiques, combien de fois par minute je me trouve à essayer la ligne 7 fois par minute. Donc, tu te mets à faire... Écoute, tu perds ton temps. C'est pas des farces de demander aux citoyens de faire... Vous avez dû téléphoner quoi? Mettons, 7 fois par minute, ça a pris quoi? Pendant 40 minutes, donc 280 fois. 280 fois, c'est finalement, ça a-tu répondu? Ça a répondu et il y a quelqu'un qui me répond et qui dit, bon, ben bonjour, oui, j'aimerais avoir un rendez-vous avec mon médecin X. Elle me dit, il n'y a plus de rendez-vous, madame, les rendez-vous sont tout pris. Je dis, non, c'est impossible. C'est impossible, madame. C'est impossible qu'il y ait un appel qui est passé sans que ce soit le mien. On parle, ça fait seulement 40 minutes. Oui, mais madame, vous direz ça à votre médecin. Bien, je dis, ben oui, comment est-ce que je vais faire pour lui parler à mon médecin? Vous direz ça à votre médecin, encore faut-il pouvoir le rencontrer? Ça n'a aucun sens d'obliger les citoyens à faire des trucs comme ça avec l'argent qu'on injecte dans les GMF qui sont supposés de... Alors, moi, la question qui m'est venue, c'est... Je me suis souvenue du programme de la CAQ et puis du 1000 patients par médecin de famille. Oubliez ça! Quand bien même que tu aurais 1000 ou 1500 patients par médecin de famille, si tu n'es pas capable d'avoir un rendez-vous, oublie ça! Il n'y a juste pas suffisamment de médecins de famille au Québec, c'est tout! C'est hallucinant. On a reçu des courriels parce que j'ai demandé, est-ce que vous avez, vous, un accès facile à un médecin sur notre page Facebook? Fred Lessard, il dit, on a un médecin de famille hyper accessible, mais dans une clinique privée, par exemple. C'est ça. Privée, puis est accessible. Bien, c'est ce que je vais faire. Je vais faire comme beaucoup d'autres gens vous de la classe moyenne et de la classe moyenne supérieure. Je vais payer deux fois. Parce que rendu à un certain âge, on le sait, là, c'est correct à 20, 30, même 40 ans, là, tu sais, d'y aller juste à la clinique sans rendez-vous pour des troubles ponctuels. Mais quand tu es rendu à un certain âge, il y a des trucs qu'il faut que tu fasses au moins tous les deux ans, là, si tu veux prendre soin de toi. Bien, je vais être obligée d'aller dans le privé. Nathalie Lavoie nous écrit, j'ai un médecin de famille, mais le voir est aussi difficile que de demander une audience à la reine. Et Danny Gaudreau, écoutez bien ça, ça c'est bon. J'ai réussi à avoir un médecin de famille et à avoir un médecin de famille il y a 3 semaines en allant dans une clinique sans rendez-vous. Ce médecin m'a dit, vous savez, 40% de ma clientèle n'a pas besoin d'un suivi à tous les ans. Et ce qui est déplorable, c'est que des gens comme vous qui avez besoin d'un suivi
qui avait besoin d'un médecin, bien, vous ne l'avez pas. Comme vous dites, là, rendu à un certain âge, peut-être qu'on a besoin de voir un médecin plus souvent et d'aller dans les cliniques sans rendez-vous, ce n'est pas suffisant. Ça prend vraiment un suivi régulier et on n'arrive pas à avoir des maudits rendez-vous avec les médecins. Absolument. Puis tout ça, malgré la nouvelle taxe santé de 200 $ qu'on nous a imposée sur nos rapports d'impôts, souvenons-nous de ça. Et pour en revenir à la taxe santé, c'était quelque chose qui devait être réinjecté dans le système de santé. On a su de par les reportages du Journal de Montréal, je crois, dans les derniers mois, là, que finalement, l'argent n'allait pas tout là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Là? Qu'est-ce qu'on fait? Ça n'a aucun sens. Quand on voit des reportages qu'a fait, par exemple, l'Institut économique de Montréal, merveilleux reportage sur le système de Suisse. En Suisse, l'attente, ce n'est pas normal. Joanne, l'argent, on pompe de l'argent là-dedans. C'est pas une question d'argent, c'est une question d'organisation. Joanne Marcotte, merci beaucoup. On s'en va à la pause, on revient pour la conclusion de l'émission.